Ça m'énerve parce que j'ai rien pour mettre ma caméra et puis la fixer. Comment ça s'appelle? Oh, le trou de mémoire. Oh. Si je trouve pas le mot, ça va me hanter. Tripod in French. Un trépied. Je n'ai pas de trépied. Donc j'ai ma caméra juste là-dessus. Oh, bref, on va faire avec. Donc j'ai finalement décidé de faire une vidéo en français. Et je sais que c'est vraiment bizarre, enfin sur ma chaîne, bon c'est toujours en anglais, ça parle de voyage, je parle toujours de la France. Et je n'ai jamais encore fait de vidéo en français, donc voilà. Et je voulais juste venir parler un peu, je sais pas. Des fois ça fait du bien de juste parler à haute voix. Enfin j'ai beaucoup de choses qui tournent dans la tête en ce moment. Et je croyais que peut-être c'était juste une bonne idée de le mettre là. Donc voilà, on est en décembre, c'est bizarre, j'arrive pas à croire qu'on est déjà en décembre. J'ai l'impression que c'était juste hier que, je sais pas, que ma maman et mon frère avaient décollé et puis j'étais toute seule à Paris, que je connaissais personne encore. Et après j'ai rencontré énormément de monde, mais vraiment des gens super 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 bien. Et des amis que j'espère que je vais garder pour la vie, des autres qui sont venus, qui sont partis. Enfin, des gens vraiment super. C'est vraiment en sortant vraiment de ma ville, chez moi, aux États-Unis, où j'avais vraiment tellement hâte de partir et finalement de réaliser mon rêve d'atterrir à Paris toute seule et puis de rencontrer tous ces gens qui sont bien. Si tu n'es jamais sorti de ta vie quotidienne et que tu n'es jamais allé voyager, tu vas jamais vraiment savoir ce que c'est vraiment de sortir dans le monde et rencontrer des gens que tu penserais je ne jamais rencontrer. Et tu te dis, il y a autre chose, il y a autre chose dans le monde. Et vraiment, c'est ce sentiment qui me donne vraiment de l'espoir et qui... franchement, je suis vraiment aux anges. Mais malheureusement, bon, en novembre, il y a eu plusieurs événements pas très bien dans ma vie. Bon, notamment les attentats, bien sûr. J'ai perdu quelques amis, j'essaie de me remettre de quelque chose d'autre aussi. Et on est en décembre et voilà, c'est la saison des fêtes. C'est difficile pour moi de me mettre vraiment franchement dans l'esprit de Noël et des fêtes et tout. Je crois que d'abord, enfin je suis pas chez moi et c'est vraiment mon premier Noël où je suis pas chez moi avec ma famille proche. Je vais aller à Vichy pour Noël pour aller voir mes grands-parents, mais sinon je vais pas être avec mes parents. J'ai envoyé mes cadeaux de Noël aux États-Unis là déjà. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas encore vu ma famille américaine de toute une année presque. Enfin... Je sais qu'il y a énormément de choses, de super choses qui m'attendent et je suis vraiment trop trop contente et j'ai hâte que ça vienne. Mais je crois que c'est juste cette période, juste avant que toutes ces choses-là commencent, où je suis en train d'attendre et j'essaie de me distraire un peu du mois dernier. Novembre, c'était pas un bon mois. Non. Novembre, c'était pas bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais aller explorer, un peu me balader à la rue Crémieux, qui est une rue qui est pas très loin d'ici en fait, mais toutes les petites maisons sont toutes les couleurs. C'est vraiment très joli. Donc je vais essayer d'aller filmer là-bas. Après, je vais essayer d'aller voir un film. Je veux voir le Hunger Games, la révolte partie 2. Bref, rue Crémieux, Sinoche. Et puis après, ce soir, j'étais invitée par un copain à aller le parc de la Villette, je crois, pour aller faire je ne sais trop quoi. Et puis après, bah, le 21, je vais partir à Vichy. Après, quand je rentre, il y a une personne qui va rentrer à Paris et je suis trop contente de finalement la rencontrer. C'est une fille qui est aussi sur YouTube, que je connais depuis un moment en fait, parce que j'ai trouvé sa chaîne il y a un moment quand je planifiais mon gap year et tout. Et en fait, je cherchais des chaînes, des vidéos des gens qui étaient à Paris en train d'étudier ou en train de passer du temps et je voulais voir leur avis, enfin juste de me donner envie un peu de faire ça. Et j'ai trouvé sa chaîne et elle s'appelle Rosie. Rosie. Elle est allée à Paris avec l'université, je crois, plusieurs fois. Elle a fait des stages et elle adore Paris. Vraiment, sa passion pour la France et pour tout ce qui est francophile, tout ce qui est parisien, c'est vraiment mignon, vraiment génial. Et puis j'adore, elle est toujours de bonne humeur quand elle part de Paris et tout. Et vraiment, j'aime bien ça à propos d'elle. Donc, elle rentre à Paris finalement au moment où moi j'y suis aussi. On va finalement pouvoir se rencontrer. Et je suis vraiment trop, 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 trop contente. Après, en janvier, qu'est-ce que j'ai en janvier? Je vais essayer de prendre une semaine pour aller visiter une amie à Oslo. En Norvège et je sais pas ce qui m'attend en janvier parce qu'après le 31 j'ai mon billet pour Barcelone
Et je réalise que j'ai vraiment pas beaucoup de temps qui me reste à Paris. Et je sens que des fois, je gaspille un peu du temps, ou je me sens pas bien, ou je me sens pas moi-même. Donc je me contente de juste aller me balader et puis de juste, je sais pas, regarder les belles choses. Voilà ce qui se passe. À chaque fois que je me balade avec ma caméra, j'ai toujours peur d'avoir l'air d'une touriste. Mais je m'en fous. Allez, on y va. Je suis allée voir Hunger Games et c'était très très bien, magnifiquement réalisé. Et puis j'ai beaucoup aimé la mise en scène, la musique, c'est très émouvant et j'ai beaucoup aimé. Et là je vais ressortir dans 20 minutes pour aller à Porte de Pantin pour aller rejoindre des amis et je sais pas trop ce qu'on va faire en fait. Mais voilà, je sais pas si je vais filmer, donc du coup voilà. Et puis aussi je viens de recevoir un appel que j'ai une invitation pour un festival de court-métrage au long du canal Saint-Martin dimanche, donc je suis très contente, j'espère de peut-être y aller avec une copine ou deux. Donc je te dis au revoir et à la prochaine et bon voyage.